Salut à tous, et oui, c'est la reprise du championnat de France Superbike. Le FSBK pose ses valises pour la première manche ici au Mans, direction le Bugatti. Et croyez-moi, ça va être arrosé. Stéphane, voilà, on l'a dit, c'est le retour de la compétition ici au Mans. Oui, on est toujours content de redémarrer. On attend avec impatience le début des saisons sportives sur le circuit, que ce soit nous professionnels, ou tous nos gentils bénévoles, tous nos commissaires, le corps médical, tout le monde est très très content de redémarrer une saison. Déjà sur les sujets suivants, les 24 heures moto, et le MotoGP, tous les sujets sont en train de s'activer, mais le SBK étant la première course de l'année, on est toujours un peu plus heureux de démarrer. Alors Le Mans, on le sait, l'année dernière, inauguration d'une nouvelle piste, on a gagné un peu de temps d'ailleurs au chrono, oui. Et cette année, encore une nouveauté avec la ligne de départ qui bouge. Tout à fait, on a déplacé la grille de départ pour se trouver plus au centre des tribunes, de façon à ce que les spectateurs soient vraiment au cœur de l'action de la grille de départ. Ça va jouer évidemment sur la vitesse d'entrée au niveau de la courbe Bonalop, les véhicules vont arriver un peu plus lentement, un peu plus serré évidemment, parce qu'on avait quand même l'avantage, c'est que la ligne de départ était plus loin, on commençait à avoir les motos un peu plus loin et les autos un peu plus loin les unes des autres. Là ça va arriver un peu plus en groupe, mais la piste étant très large, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Et ben moi je vais aller voir comment se préparent nos pilotes du FSBK. Je te remercie beaucoup Stéphane. À bientôt. Et croyez-moi, tous les pilotes sont chauds, sont prêts à mettre du gaz, notamment Kenny Fauret qui se cache derrière. Il vient juste de rentrer de sa première séance d'essai. Il va remettre son titre en jeu cette année. Un super score. C'est Cédric Tang qui va encore essayer de gagner des points et faire, pourquoi pas, un autre titre de champion de France. Dans tous les cas, rendez-vous dès demain. Et d'ici là, toutes les informations sur www.fsbk.fr.